Chaque éleveur de la race a à l'aller en photo dans son élevage. Donc le poster qu'on peut voir ici. Cette vache qui s'affiche fièrement est une véritable championne. À l'aller, Belmont-Béliard, résident à Duerne, a plusieurs fois été désignée meilleure vache laitière de France en 2015 et 2016 au Salon de l'agriculture qui se tient cette semaine à Paris. Pour son maître, ce genre de distinction est une véritable reconnaissance du travail accompli. On fait ces concours, c'est plus par passion que par but économique. Moi, je suis accro de la génétique en race Montbéliarde. Et c'est une récompense sur le travail depuis des générations de vaches que l'on fait et de sélection pour arriver à avoir les meilleures vaches possibles. On a la passion aussi de tous se retrouver là-haut parce que l'ambiance est quand même très bonne, liée à toutes les filières et tout. Et puis pour faire voir au public une bonne image. Mais pour cet éleveur rhodanien qui possède aujourd'hui 140 vaches, le salon de l'agriculture est aussi l'occasion d'étoffer son réseau et de faire quelques affaires. Moi, j'étais pas non plus grand éleveur jusqu'à présent, et du coup, ça s'élargit. Et on a des récompenses. On est écouté quand on parle au sein d'autres éleveurs et d'autres instances. Et après, il y en a qui cherchent à avoir des produits, donc des filles ou des fils de cet animal-là. Si cette année, Alalée a été mise au repos en attendant de mettre bas, en 2018, elle sera de nouveau à Paris pour reconquérir son titre.